بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on se rejoint comme tous les dimanches soirs, Inch'Allah, pour la lecture et l'explication du livre Uddatu Sabirin ibn Qayyim al-Jawziya, rahmallahu ta'ala. Pour ceux qui se souviennent, on avait commencé un chapitre, le 22. Lequel est le meilleur des deux? Le riche reconnaissant ou le pauvre qui se montre patient? Non. Donc un riche, comme ça, qui a plein de bienfaits et qui est reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azzawajal par rapport à ça, ou bien un pauvre qui patiente. On avait commencé à lire 2-3 points, puis on s'est arrêté en cours de route parce que le temps, voilà, j'avais rattaqué un chapitre parce qu'il me restait un peu de temps, puis après on a été pris dedans, mais il y avait encore 4-5 pages à lire, et on ne pouvait pas, pour ceux qui se souviennent. Donc on avait évoqué, voilà, quelques arguments concernant l'un et l'autre. Et on continue. On en était donc, on avait lu un verset, hein, un verset qui disait en fait, il fallait retenir de cela qu'Allah a fait de la richesse et de la pauvreté des situations par lesquelles il éprouve la reconnaissance de ses serviteurs et leur patience, leur sincérité, leur dévouement à lui. Qu'en fait, c'est deux cas différents, c'est deux cas d'épreuve. Le riche reconnaissant est dans l'épreuve, tandis que le pauvre patient est dans l'épreuve également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un nécessairement qui va dire qu'il est plus facilité. Allah ou Alem qui est plus facilité. C'est Allah qui veut. Mais ne crois pas que celui qui a toutes les facilités du monde, toutes les richesses, il est forcément comme ça, dans quelque chose de loin de l'épreuve. Il est en plein dedans. Wallahi, il est en plein dedans. Mais peut-être il ne le ressent pas s'il n'a pas de science. Et le pauvre, peut-être que si lui non plus n'a pas de science, chose qu'on essaye de se partager ici, va se dire, ah, celui-là, il a été épargné. Non, il est touché. Il est touché. De même que le pauvre, effectivement, c'est difficile. C'est une épreuve aussi de patienter face à la misère. Non. Donc, on avait lu des versets. Hein, Alif Lam Mim, les gens s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver. Nous avons certes éprouvé les générations antérieures. Assurément, Allah connaît les gens sincères comme il connaît les menteurs. Ensuite, on dit vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous. Alors que c'est auprès d'Allah que se trouve la récompense sublime. Naam. Et ça, c'était sourate 29 avant et la sourate 64. Ce dernier verset prouve qu'Allah a fait de la vie d'ici-bas une vie immédiate. Et il y a mis des plaisirs illusoires. Naam, Allah Azza wa Jalla a fait de cette vie d'ici-bas une vie immédiate. Maintenant, tout est cash, direct. T'as ça, maintenant, ceci, maintenant. Pour l'au-delà, faut attendre. Tu fais tel rire, tu patientes sur telle chose, faut attendre. Faut être patient. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Il y a des gens, ils s'impatientent comme ça dans la quête du bien. Bismillah, excusez-moi. S'impatientent dans la quête du bien parce qu'ils ne voient pas de résultat. Ils se disent, j'ai pas eu les fruits de tout ce que j'ai pu faire. C'est pas maintenant. Tu peux avoir une part maintenant, Allah Alem, mais ça restera que de la dunya. Non. On dit qu'Allah a fait de la vie d'ici-bas une vie immédiate et il y a mis des plaisirs illusoires, directs. Et il a fait de l'au-delà la demeure de la récompense. Or, tu ne demandes pas ton salaire à 17h, comme ça, quand tu as fini ta journée. Tu attends la fin du mois. Ou tu n'attends pas le matin, tu as commencé à faire 2 jours dans une entreprise, et à 8h du matin, tu demandes déjà une avance. Remarquez, il y en a qui font ça. Il y en a qui font cela. Non. Tu attends patiemment ton salaire à la fin du mois. Bah, c'est la fin de ta vie qui fera que tu auras ton salaire, Inch'Allah. Naam, qu'Allah nous donne un bon salaire. Il apparaît ce bas monde d'objets de désir. Il apparaît ce bas monde d'objets de désir. Comme il, subhanahu wa ta'ala, l'a dit dans ce verset. L'amour des plaisirs que l'on trouve auprès des femmes, des fils, dans la possession de très grandes quantités d'or et d'argent, de chevaux marqués, de bétail et de culture, cet amour a été embelli pour les hommes. Or, c'est là une jouissance de la vie immédiate. Et c'est auprès d'Allah que se trouve le meilleur retour. Ah, sourate 3, verset 14. C'est un verset vraiment poignant et clair. D'accord ? Tout ce qu'on peut y avoir comme jouissance dans cette dunya, tout ce qu'on aime, nous. Bien sûr, on aime les femmes, les enfants, comme ça. Possession de grandes richesses. Or et argent, aujourd'hui, c'est billets, mais c'est pareil. L'or et l'argent existent toujours, mais on paye généralement avec des billets. Hein ? Bon, en tout cas, dans cette société, les chevaux marqués, on pourrait dire aujourd'hui, chevaux marqués, les grosses voitures, etc. Hein, les cultures, les ceci, cela, même les bâtiments, et tout, et tout. Tout ça, ça a été embelli à nos yeux. Voilà, même des trucs, des fois, plus minces que cela, et à nos yeux qui brillent.
C'est là que tu te dis, comme il y a encore une part de dounia dans ton cœur. Et moi, le premier, je me fais le rappel quand des choses, tu vois, que ton cœur aime des choses tellement futiles, tellement basses, et qui ne servent strictement à rien au final. Ben là, on voit que ouais, ça a été embelli pour les yeux des hommes. Et pourtant, c'est une jouissance immédiate, hein, de cette vie, car c'est auprès d'Allah que se trouve le meilleur retour. Et tout cela n'a plus aucune valeur après. Allah a informé ici que tout cela n'est qu'une jouissance de la vie de ce monde. Puis il a inspiré en ses serviteurs le désir des jouissances de l'au-delà en leur faisant savoir qu'elles sont meilleures que celles de ce monde et plus durables. Et là je dis, or il faut la foi pour cela. Te dire que je me retiens de forniquer avec une telle ou ceci ou de faire cela ou de prendre de l'argent dans telle et telle chose pour avoir tel et tel bien parce que je crains mon Seigneur, c'est espérer la récompense d'Allah d'avoir mieux dans l'autre monde. Mais il faut y avoir foi dans une chose que tu ne peux pas imaginer, que tu n'as pas visualisé, que tu ne pourras jamais visualiser. Même pas imaginer. C'est même pas nécessairement le voir. Tu ne peux même pas le concevoir. Et déjà, le voir, impossible. Mais le concevoir, ça aurait pu déjà être un avant-goût. Non, rien. Rien. Tout est à base de foi. Tout est à base d'espoir en l'invisible. Donc te dire, ouais, il y aura des femmes encore mieux, plus belles que celles-ci qui m'accorderont toute la jouissance que je n'aurais même pas pu avoir avec ces femmes-là d'ici. Donc je me retiens. Faut la foi. Pareil pour l'argent, j'aurai des palais, des richesses, des choses que, voilà, je n'imagine pas. Ça nécessite, yani, une foi assez forte, hein, pour croire en cela. Et tous les jours, faut faire la mise à jour de ça. Raviver la foi par rapport à cet espoir. C'est ce qui permet de se contenir. Non. Ça, l'espoir et la crainte. Comme on l'a vu, le croyant, il est entre l'espoir et la crainte. Donc tout cela n'est qu'une jouissance de la vie de ce monde, puis il a inspiré en ses serviteurs le désir des jouissances de l'au-delà, en leur faisant savoir qu'elles sont meilleures que celles de ce monde et plus durables. Ça, il dit, Allah a dit, vous annoncerai-je une chose meilleure que tout cela ? Ceux qui craignent auront auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des fleuves, où ils seront immortels, des épouses purifiées et un agrément d'Allah, et Allah voit parfaitement les serviteurs. Sourate 3, verset 15. Puis la cité, ceux qui méritent ces jouissances et qui en sont vraiment dignes. À savoir, l'Arjel a dit, dans le sens des versets, ceux qui disent, Seigneur, en vérité nous croyons, pardonne-nous donc nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Et qui sont patients, véridiques, obéissants, qui font des dépenses dans la voie d'Allah et qui implorent le pardon d'Allah dans les derniers moments de la nuit. Sourate 3, versets 16 et 17. Donc la suite. Non. Ainsi, il, subhanahu wa ta'ala, a annoncé que la félicité qu'il a préparée dans l'au-delà pour ses amis qui le craignent, ses alliés, est meilleure que les jouissances de ce bas monde, bien évidemment. Cette félicité se présente sous deux aspects. La récompense dont ils jouiront, et c'est ce qui est meilleur encore, son agrément. L'agrément d'Allah, c'est quelque chose qui n'est pas palpable comme ça. C'est pas un bien, c'est pas une femme, c'est pas ceci, c'est pas un enfant, c'est pas un bien matériel. L'agrément d'Allah, Allah est satisfait de toi. Naam. Son agrément. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu. Frivolité, parure, rivalité d'orgueil entre vous. Joute sur la quantité de biens et le nombre d'enfants. Je marque une pause aussi là-dessus, car c'est vrai. Le jeu, la frivolité, la parure, la rivalité d'orgueil entre nous. Il y a même rivalité dans la darwa. Quand tu vois les gens, ils se font la guerre. Et lui, ceci, jaloux de cela. Non, lui, pas ceci, non, pas cela. Même là-dedans. J'ai même vu des gens qui avaient fait une mise en garde sur une sœur. Ouais, il y a toujours les commerces. Ils se font la guerre dans le commerce pour avoir la meilleure place. Alors que la subsistance de chacun est écrite. Mais enfin bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et donc cette course, vraiment cette course à l'orgueil, cette course à moi-je, même dans le lavage mortuaire. Allah le musta'an. J'ai vu ça, j'ai dit, ils n'ont plus de pitié les gens. C'est fini. Même ça, c'est la course, c'est la haine. C'est... On ne peut rien faire pour ces gens-là, ils sont malades. Donc, voilà, ils jouent sur la quantité de biens et nombre d'enfants. Toujours les gens, ils veulent avoir plus de biens, des meilleures choses, des ceci, des cela. Mais, comme dit Al-Azhar aussi dans un sourate 102, la course aux richesses vous distrait, certes, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et ce jour-là, vous saurez. Elle est en cela, je continue le verset, elle est en cela comparable à une pluie, cette dounia. La végétation qu'elle fait pousser émerveille les incroyants. Puis elle fane et tu la vois jaunir. Ensuite, elle tombe en débris. Ce qu'on peut dire à ce sujet. Bah, la dounia, quand elle pousse comme ça, pousse, on a repris l'exemple de la pluie qui tombe sur la végétation, hein. Quand les choses de la dounia comme ça sont mises aux yeux des mécréants, tu les vois comme ça émerveillées. Et après, ça fane, parce que ça périt, ça se casse, ou ils meurent, ou les gens qu'ils aiment meurent.
puis tu la vois jaunir, ensuite elle tombe en débris. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Rien. Et dans la vie future, il y aura un châtiment terrible pour les mécréants, ainsi qu'un pardon et un agrément d'Allah pour les croyants. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance illusoire. Sourate 57, verset 20. Non, donc là je pense que le rappel il est fait, il est clair. Les ahadiths suivants vont dans le sens du verset ci-dessus. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'ai-je à faire de ce bas monde ? Mon cas par rapport à ce monde est comparable au cas d'un cavalier qui un jour d'été a fait la sieste sous un arbre ombragé puis s'en est allé, l'abandonnant derrière lui. » Ça c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah et Sheikh al-Albani, le calife d'authentique. Non. Donc autant vous dire, voilà, si vous étiez comme ça en voyage, vous arrêtez vite fait pour faire une petite sieste à l'ombre d'un arbre et vous partez, c'est ça ce que représente la dounia. Est-ce que vous lui avez donné de l'intérêt ? On pourrait aussi appeler ça, pour rester dans l'image, la métaphore du hadith, la salle d'attente, tu vas chez le médecin ou autre chose, quand tu es à la salle d'attente, est-ce que tu donnes un quelconque intérêt ? Est-ce que tu veux que tout ton confort, tout ton luxe, tout ce que tu veux soit là maintenant présent ? Non, t'es là, tu passes, tu attends debout, tu attends assis, un court instant, et après tu vas faire ton affaire. Bah c'est pareil, une salle d'attente en fait cette dunia. Bon, à l'échelle, finalement, elle dure plus longtemps, il y a des choses, on vit des choses et tout, mais c'est ça. À l'échelle de l'au-delà, c'est ça. Est-ce que c'est clair ? Une salle d'attente. Alors, il ne faut pas espérer grand-chose. Il est rapporté dans le recueil d'At-Tirmidhi que Sahl ibn Sa'd tient ses propos de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Si ce monde avait au regard d'Allah la valeur d'une aile de moustique, il n'en aurait rien accordé aux mécréants, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. At-Tirmidhi le qualifie d'authentique. Dans le Sahih de Muslim, on trouve cette parole que Al-Mustawrid ibn Shaddad rapporte de l'envoyé d'Allah, azza wa jalla. Sallallahu alayhi wa sallam. En comparaison avec l'au-delà, ce monde est semblable à ce que l'un d'entre vous pourrait enlever à la mer après y avoir plongé son doigt. Naam. Et il est rapporté que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a montré son index en disant qu'il considère donc ce qu'il en retire. Plonge ton doigt dans la mer, dans l'océan, et retire. Et vois peut-être une goutte qui est sur ton doigt comme ça. Naam. Ou deux gouttes. Naam. Et puis ça, c'est éphémère, ça s'évapore, ça part. C'est ça aussi que ça veut dire. Il faut être profond dans la méditation de la métaphore. Il n'y a plus rien. Tu vois ton doigt, il n'y a plus rien au final. Enfin, c'est ça le bas-monde. Et ce qui reste de l'au-delà, c'est l'océan. La comparaison était différente. Dans les Sunan d'At-Tirmidhi, on trouve ce récit, justement, de toujours d'Al-Mustawrid ibn Shaddad. J'étais dans le groupe de gens qui accompagnaient l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est arrêté près d'un chevreau mort. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: pensez-vous que ce chevreau est devenu sans valeur aux yeux de ses propriétaires et qu'ils l'ont jeté loin de chez eux ? Certes, messager d'Allah, répondirent les assistants. Il est tellement sans valeur qu'ils l'ont jeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: sachez que ce monde est plus méprisable au regard d'Allah que cette bête l'est pour ses propriétaires. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Rien, rien. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi ou Ibn Majah, Sheikh al-Albani le qualifie d'authentique. Donc, le propriétaire d'un animal mort comme ça, mort sur le bord d'un chemin, c'est peut-être comparable aujourd'hui à quelqu'un qui a des lapins ou des poules, puis il y en a un qui passe sur la route et qui se fait écraser. Quel intérêt lui porte ? Imaginez bien. Bah Allah Azza wa Jal, vis-à-vis de ce monde, encore plus de mépris qu'en a un propriétaire pour sa bête morte. Subhanallah, à méditer. Nous, comme ça, on est là fascinés par des choses de ce bas monde. On trouve également écrit dans les Sunan d'At-Tirmidhi qu'Abu Huraira radiallahu tient les propos suivants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ce monde est maudit, comme tout ce qu'il contient, à l'exception du dhikr d'Allah azza wa jal, de ce qui s'y rapporte, du savant et de celui qui apprend la science. Allahu Akbar. Hadith rapporté par At-Tirmidhi ou Ibn Majah, Sheikh al-Albani le qualifie d'authentique. Naam. Donc, ce monde est maudit, hein, et tout ce qu'il contient est maudit, tout. Ne me demandez pas quoi, tout. Tout ce bas monde est maudit, à l'exception faite du dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah, c'est certes subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. D'ailleurs, ce que je vous recommande, j'y ai pensé en plus à vous faire un rappel dessus aujourd'hui, ce que je vous recommande d'ailleurs à faire tous les jours, après chaque prière, faites l'effort. D'accord ? Après chaque prière, faites l'effort. Après celle aussi du fajr et de l'asr, non, en tout cas dans ces créneaux-là, faites les invocations du matin et du soir, et puis allez vous coucher avec dhikr aussi sur le bout de la langue, c'est très important. Voilà, de toujours comme ça, avoir ce neuf qui est facile, qui n'est pas dur,
essayez de mémoriser les invocations. Même si vous ne les avez pas toutes, faites ce que vous connaissez, Naam, et le dhikr, ce qui est connu, les formules de Afkar, essayez de vous attacher à cela. Donc, dhikr d'Allah Azzawajal, c'est certes ça, mais c'est aussi le dhikr, ça peut être la doa, c'est la salat, c'est tout ça. Hein, c'est tout ce qu'en fait le rappel d'Allah, d'accord, et tout ce qui s'y rapporte. Voilà, tout, c'est pour ça que c'est marqué tout et de ce qui s'y rapporte. Naam. Et aussi, n'est pas maudit le savant, et celui qui apprend la science, l'étudiant, d'accord, hein, un savant, celui qui cherche une science. Et les vocations d'Allah sous toutes ses formes, ça ce n'est point maudit, d'accord, mais le reste, c'est maudit. Dans ce verset, hein, donc le 20, la sourate Al-Hadid, Allah a informé que les gens s'enorgueillissent les uns les autres des faveurs qu'ils obtiennent de ce monde. Ils peuvent s'enorgueillir de leur bien, de leur rang social, de leur force, de leur science, et même de leur assaise. Tu vois les gens, plus ils sont loin du djinn, plus ils sont là-dedans. Les gens qui sont dans le business, donc leur rang social, leur argent. Les rappeurs, je crois, il n'y a rien de pire. Il n'y a pas plus idiot qu'un rappeur. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Moi, j'ai la grosse chaîne, j'ai les femmes, j'ai l'argent, je suis ceci, je suis cela, j'ai vendu tant de disques. Nous, on est comme si on est les plus méchants. Là. Wow. Alors, tu te dis quand t'as 20 ans, t'es un peu bébête, mais il y en a, ils ont 40 ans. Qu'Allah les guide. Vraiment, qu'Allah les guide, je vous dis, bon, j'ai un regard plus peut-être porté sur eux que d'autres prêcheurs, prédicateurs, étant donné que j'ai poussé dans ce milieu-là et que j'en connais une bonne partie. Du coup, quand je fais un regard dans le rétro et que j'en vois certains, je dis, oh Allah, mon star, je n'ai pas fini comme eux. Bon, alhamdoulilah, qu'Allah les guide, vraiment, ça fait peur. Et tu te dis vraiment la bêtise, quoi. Si tu dis, c'est gamin, en fait. D'être encore dans cette course à l'orgueil sans nom, c'est une course sans nom à l'orgueil. Les biens, le moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, j'ai ce studio, mais subhanallah, à quoi ça sert? Il n'y a plus de bon sens. C'est dénué de bon sens. Ça sert à rien. Même les koufars, des fois, bon, je ne les mets pas en avant, mais ceux qui ont certaines valeurs, parmi eux, ils sont moins comme ça, c'est ce truc-là que d'autres. Maintenant, ils font leur petite vie tranquille, ils ne sont pas orgueilleux, si ce n'est évidemment ils ont rejeté l'islam, mais ou ils n'en ont pas entendu parler, ou ça ne leur a pas été clarifié, enfin, là au Harlem. Mais dans leur vie, ils sont pas comme ça. Ils font leurs petites choses et puis voilà. Ils regardent pas ce que font les autres et puis ils sont pas comme ça dans la course au bien. Mais là, il y a des musulmans, ils ne font que ça. C'est pas pour rien que le prophète a dit que la fitna des gens de sa communauté serait les femmes et l'argent. Ah. Pareil, la force. Moi, je suis le plus fort. Hein. Ou bien la science. Moi, je connais plus de choses que toi, etc. La course, quoi. La course. Même, il y en a qui vont dire, je suis plus ascète que toi. J'ai plus quitté ce bas monde que toi. Même des choses, des fois, qui vont à l'inverse de la course à la richesse. Allah a ensuite informé que dans ce monde, chacun de nous cherche à avoir plus d'enfants et plus d'argent que les autres. Il se réjouit de voir qu'il a plus d'argent et plus d'enfants qu'autrui, et il aime qu'on en parle. Or cela distrait l'âme au point de lui faire oublier Allah Ta'ala et la demeure ultime, comme Allah le dit dans la sourate suivante. Rivaliser par le nombre vous distrait jusqu'à votre mort, donc littéralement jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Gare à vous, vous saurez bientôt, encore gare à vous, vous saurez bientôt. Ah. C'est surat Al-Kathathur, surat 102, verset 1 à 4, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Là, c'est dit rivaliser par le nombre dans la traduction, dans d'autres, c'est la course aux richesses. Le sens est le même dans Harlem. Allah Ta'ala a ensuite parlé de la réalité et du devenir de ce monde, et qu'il est comparable à une pluie. Là, ce monde, c'est une pluie. Ayant fait pousser une végétation qui a émerveillé les koufars. Et il est pertinent de dire que les koufars désignés dans ce verset sont les mécréants, hein, et non les cultivateurs, comme le soutiennent certaines personnes qui ont fait le tafsir. Car partout dans le Coran, le terme kafir est employé pour désigner le mécréant. Hein. Et le koufre, l'origine du mot koufre, c'est le fait de cacher. Ainsi, la nuit est appelée kafir, car elle recouvre kafara. Recouvre, c'est-à-dire kafara, tout de ses ténèbres. La nuit, c'est kafir. Le cultivateur est appelé kafir car il recouvre les graines avec la terre. Ce terme kufr est devenu, dans le contexte coranique, le fait de cacher la révélation en vue de la nier. L'islam. L'arabe, je veux dire que les termes, ça a toujours un rapport. D'accord ? Il y a toujours comme ça, quelque chose qui veut dire autre chose. Le terme est décortiqué, le champ lexical, c'est magnifique. Apprendre comme ça la langue arabe, avec tous les détours d'un mot, un mot plus 100 significations des fois, ne serait-ce que pour Lyon.
comme ils le disent en arabe, il y a 100 façons de le dire. Allahu Akbar. Mon cheikh m'a dit ça. L'arabe, il y a plein d'autres choses. C'est une langue magnifique. C'est pas pour rien qu'Allah Azzajal l'a choisi pour révéler son livre. Naam. Et même kafir, j'avais lu aussi que c'est lié au kafar. Pareil. Naam. Noir, etc. Obscur, ténèbres, etc. J'avais lu quelque chose comme ça par rapport aussi au kafar. Ça a été repris. En fait, le terme en français est repris du terme arabe. Kafir, ils ont mis kafar pour cet animal, ils l'ont nommé comme ça. Car les mots, les choses plutôt, ont bien dû être nommées un jour ou l'autre. Quand est-ce qu'on a dit que ça, c'est un kafar? Un jour. Quand est-ce que quelqu'un a dit que ça s'appellerait une table? Il y a quelqu'un qui a dit que ça allait s'appeler une table. Bon, bah, ils ont repris avec la langue arabe beaucoup de mots. Le toubib, ça vient aussi d'un mot en arabe, le toubib, le médecin. Et plein d'autres choses comme ça. Des fois, ils puissent dans la langue anglaise, comme le parking, naam, et autres. Il y a des mots comme ça qui sont devenus dans notre langage courant, qui sont puisés de l'arabe, on prend beaucoup de l'arabe, naam, parfois de l'anglais et autres. L'arabe est une langue très ancienne, et donc, il y a beaucoup qui a été pris là-dedans. Naam, Allahu a'lam, qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la langue arabe. Donc voilà, concernant le terme kafir qui désigne bien les koufars, les mécréants, dans cela. Puis Allah a décrit ce qui arrive finalement à cette végétation, à savoir qu'elle se fane et jaunit, et c'est ce qui arrivera à ce monde. Si un homme possédait ce monde de son début à sa fin, c'est comme s'il n'avait rien possédé. Tout depuis le début, sur les milliards et milliards et milliards d'années qu'il a existé, c'est comme si tu n'avais rien possédé. Alors il va plier les cieux et la terre avec sa main droite. Plus rien, poussière, ne subsistera que sa face. Tabaraka wa ta'ala, c'est tout. Donc ce monde n'est vraiment rien, et voué à la ruine. Après avoir décrit la réalité de ce monde et montré ce qui lui arrivera à sa fin et qui se transformera le jour dernier en un châtiment terrible ou un pardon et une belle récompense, Allah a incité ses serviteurs à se hâter vers ce qui est meilleur et perdurable, à savoir le paradis, et à le préférer à ce monde périssable où ils sont exposés aux souffrances et aux désagréments. Naam. L'auteur fait allusion au verset 21 de Sourate Al-Hadid. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis dont l'ampleur est celle des cieux et de la terre et qui est préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses envoyés. Naam. Et pour revenir sur la fin de cette phrase où ils sont exposés aux souffrances et aux désagréments, de toute façon, dans ce moment, même si t'as tout ce que tu veux, t'as ceci, t'as cela, comme je l'avais dit et redit dans mon audio sur les bienfaits de l'épreuve, un audio de 3 heures, je crois, j'en avais parlé longuement, c'était il y a un moment, c'était le 20 décembre, je crois que je l'ai posté. Donc ça commence à faire, il y a quelques mois, allez la retrouver sur la chaîne, les bienfaits de l'épreuve. Bon, j'avais cité énormément de preuves, d'arguments, de paroles, etc. Notamment Ibn Jawzi qui disait ici, c'est que de la souffrance perpétuelle. Quelquefois, il y a des petits moments d'apaisement, des petits moments de répit, mais il ne faut pas s'y attendre en fait. C'est toujours de la souffrance, toujours de la perte, toujours de la peine, toujours de la difficulté, toujours de la fatigue. Parfois, il y a des moments d'apaisement parmi ceux-là, alhamdoulilah. Mais sinon, on est toujours exposé aux souffrances et aux désagréments. Comment on préférait ce bas monde? Alors que l'au-delà, c'est que, Inch'Allah, si on fait bien les choses ici, si Allah nous fait miséricorde, que de la paix, de la tranquillité et le repos. Ici, il n'y a pas. Même si tu possèdes les cieux et la terre, dans le sens, les cieux tu ne peux pas, mais tout ce qu'il y a sur cette terre plutôt, je voudrais dire, tout est à toi, c'est pas à toi en fait, il n'y a rien. Et tu seras dans les soucis de toute manière à gérer tout ça. C'est que de la gêne ici, Dounia, dans tous les cas. Donc il faut relativiser et pas se prendre la tête, comme on dit familièrement, sur des choses qui n'en valent pas la peine, sur des choses futiles, ou sur un manque, une gêne qu'on pourrait avoir. Voilà. Se dire tout ça c'est relatif, c'est Dounia. Et ça remonte le moral quand on se dit ça, lorsqu'on est malade, quand on est privé de telle ou telle chose, on a un handicap, on est célibataire. Naam, de toute façon, les célibataires envient la personne mariée, la personne mariée, après, des fois, elle envie un peu le célibataire. La dounia, c'est jamais parfait, d'accord? Moi, j'ai, comme vous le savez, c'est pas une plainte, hein, je ne chouine pas, justement, pas de travail. Ça me gêne, parfois. Mais j'ai croisé un frère. Un frère, pas plus tard que la semaine dernière, Hafidallah ou Ta'ala. On discute comme ça en fait, je viens de voir sur son lieu de travail, parce que c'est un frère qui bosse avec d'autres frères musulmans, pas des frères musulmans, pas des Ikhwan muslimin, hein, des salafis, hein. Des frères, donc des frères, c'est-à-dire des musulmans. Donc il est là avec les frères dans un entrepôt où ça vend du halal, c'est quelque chose où là on prépare les, comment on appelle ça, ils vendent pour les kebabs ou les sandwicheries, etc., les pizzerias et tout, donc le nécessaire, je sais pas, les canettes, en gros, les jambons, dans le sens des jambons d'Inde, AVS, etc. Vous comprenez quoi? Les sauces et tout. Moi, je vais chercher quelques articles et je vois le frère.
Moi, je parle et tout, on discute un petit peu. Et je lui dis, ça va, t'es bien ici? Et donc, il a un travail. Hein. Et il me dit, oui, donc c'est... Ouais, c'est bien et tout. Donc voilà, j'ai un travail et tout. Et puis, je dis, tu gagnes combien? Alors qu'il me dit, 1500 euros net. Je dis, Allahu Akbar, c'est super et tout. J'ai demandé au patron, après, s'il cherche pas, ça m'intéresse. On bosse avec les frères, il fait, ouais, en plus, on fait ça là tout à l'heure, on a le Jumu'ah et tout. Je dis, mais t'as pas l'air d'avoir la mine enchantée quand tu me le dis. Il me dit, non, mais après, voilà, les patrons sont un peu durs, tu vois. Sans les dénigrer ou quoi, ils ont un caractère, quoi. Il fait, bon, ça, on supporte. Et puis aussi, bah, j'ai que mon vendredi, je bosse du lundi au dimanche. Donc, j'ai une femme et une fille, tu vois, mon frère. Et, Bernie, bah, je ne les vois pas très facilement. J'ai que mon Jumu'ah, mon vendredi, d'accord. Avec une partie qui est consacrée à la mosquée, forcément, pour le Jumu'ah. Et puis voilà, après, j'ai que cette journée-là. Donc, c'est bien, je fais de l'argent. On est là, on bosse. Je suis un charbonneur et je fais mon argent dans le licite et tout. On n'est pas avec les femmes, on est qu'entre frères, on prie, oui. Mais il y a des choses qui, voilà, font, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Je dis, ça, c'est la dounia, mon frère. On peut pas avoir tout. Puis il me dit, et toi? Je dis, bah, moi, frère, j'ai pas d'argent. C'est pas facile, c'est comme ci, comme ça. Mais j'avoue que moi, mon fils a bientôt 2 ans. Et chaque jour, j'étais avec lui. Voilà. Il n'y a pas une journée, j'ai pas passé avec mon fils. Et mes nuits aussi, accessoirement. Donc, il me dit, voilà, c'est la dounia. Je vais avoir des difficultés par rapport à l'argent. Mais je vais avoir un avantage sur ça. Mais on peut pas tout avoir, en fait. À moins de travailler avec des frères et avec ton fils. Enfin, lui avec sa fille. C'est-à-dire qu'elle soit là sur son lieu de travail. C'est bon, ça. Il y aura autre chose encore. Il y aura un autre inconvénient. Mais on se rapprocherait de quelque chose de magnifique. Mais en général, on bosse pas avec sa famille, c'est rare. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a l'argent, il bosse avec des frères, il est comme s'il est bien. Mais Ernie, voilà, ça lui prend beaucoup de temps, tout. Moi, j'ai du temps. Du temps pour Darwa. Je lui dis, moi, tu vois, je fais Darwa, j'ai du temps pour Darwa, j'ai du temps pour voir ma famille. Je parle de ma mère, ma grand-mère, tout. Alhamdoulilah, quand on a les guides. Et puis, du temps pour ma femme et mon fils et autres. Voilà, faire des choses. Il me dit, c'est vrai. Voilà, mais à côté de ça, bah, je suis fauché, difficultés financières. Et ainsi de suite. Il y en a un, il va avoir un appartement comme ci, mais ceci, cela. L'autre, un appartement comme ça. Mais autrement, il y a toujours un plus et un moins. Bah, ça, c'est la Sierra pour remonter aussi le moral aux gens qui sont célibataires ou mariés et qui sont un petit peu dans le. C'est difficile. C'est comme c'est, Qadar Allah. Dans le sens où ta situation, un tel te l'envie. Et toi, tu envies la situation d'un tel. D'accord? Il y a déjà, ils vivent un mariage difficile. Et ils aimeraient bien, mais c'est difficile par rapport aux enfants, ou pour autre chose, ou pour ceci, ou pour cela, d'être seul. Naam. D'autres voudraient recommencer à zéro, c'est pas possible. D'autres, ils donneraient beaucoup de choses pour avoir quelqu'un. Parce qu'ils sont seuls et ils se sentent seuls. Donc quelqu'un envie ta solitude, et toi tu envies, comme ça, la vie de couple. Et personne n'est à blâmer ou à envier en vérité. Hein? Celui comme ça qui a une famille, naam, il doit prendre conscience de la richesse qu'il a, bien évidemment, à savoir. Femme, enfant ou mari, enfant, c'est quelque chose de riche. C'est une richesse, c'est quelque chose de fort. Faut prendre soin de ça. On va pas tout balader comme ça, donc c'est quelque chose d'important. Puis l'autre aussi qui est dans le célibat, il a du temps. Et le temps, c'est très important, du temps. Il peut faire des économies, on lui met pas la pression. Donc chacun a ses bienfaits et voilà, il faut savoir les utiliser. Il n'y a pas de situation catastrophique. Il n'y a que comment on la voit. Il n'y a que comment on la voit. D'accord? Croyez-moi. Croyez-moi, c'est pas si facile que ça de dire hein, ma situation est difficile, la sienne est bien. Croyez-moi. Ça peut être facile pour tout le monde comme difficile pour tout le monde. Et c'est mélangé, bien souvent. Il y a du plus, il y a du moins. Comme là, l'histoire, l'anecdote que je vous ai dit par rapport aux frères. Hein, c'est un exemple sur la dounia, pour le travail et tout. Mais c'est exactement ça. Hein, il a de ses bons côtés, et il est content certaines choses. Je l'envie sur certaines choses, de l'autre, il m'envie, moi, sur d'autres choses. Voilà. Ça, c'est la dounia. Tout le temps. Tout le temps, partout. Ah, donc aux souffrances, aux désagréments, voilà, je disais que rien n'est parfait. Non. Puis Allah a fait remarquer que c'est là la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et Allah est maître de la grâce suprême. Surat al-Hadid, verset 21. Dans un autre verset qui va dans le même sens, Allah Ta'ala a dit « Propose-leur donc comme exemple la vie en ce monde. Elle est comparable à une eau que nous avons fait descendre du ciel et dont les plantes s'imprègnent un instant pour se transformer ensuite en chaume à la merci des vents. Allah est certes omnipotent. » Surat al-Kaf, donc surat 18, verset 45. Donc, ça, c'est pareil, c'est toujours des métaphores autour de la même idée. Hein, une eau qui descend du ciel, où les plantes s'imprègnent un instant, puis ensuite se transformer en chaume, à la merci des vents, de la poussière. Et tout ça, c'est balayé. C'est ça, la dounia. Dans la suite de ce dernier verset, il a averti que les richesses et les enfants
ne sont que la parure de ce monde, tandis que les bonnes œuvres et les bonnes paroles, dont la récompense demeure à jamais, sont les meilleures choses que le serviteur puisse espérer. Et moi j'ajoute, même s'il n'y a pas la récompense comme ça immédiate, c'est plus tard, c'est après, donc c'est dans ce qui est durable. Pourquoi vouloir de l'argent aujourd'hui, les 2000 euros, les ceci, les cela? Dans tous les cas, c'est éphémère, ça va partir. Même si tu as 15 000, 150 000 euros par mois, ça part, ça vend, c'est de la poussière. Une bonne parole, une bonne exhortation, un bon conseil, une salate, un ceci, un cela, un péché en moins. Tout ça, c'est du rire mis de côté. Tu épargnes. Tu épargnes pour après. Là, c'est l'épargne licite, pour le coup. Tu mets de côté, Inch'Allah, si c'est accepté par Allah, pour après. Il n'y a peut-être pas le fruit comme ça immédiat, mais tu mises sur ce qu'il y a de plus, le plus profitable et de ce qui va rester. Je répète, de ce qui va rester, car rien ne reste. C'est pour ça que le prophète, sallam, il disait, il y a un nid dans le fait de donner. Le fait de donner, il avait comme ça un animal, je ne sais plus lequel, il y avait un morceau qu'il avait mangé et gardé, et un morceau qui avait été donné. Et Aïcha, je crois que c'est Aïcha, Wallahu A'lam, ça ne change pas le sens de l'histoire, il dit que, il ne nous reste plus que ça. Il a dit là, ce qu'il nous reste, c'est ce que nous avons perdu. Ce qui a été donné, c'est ce qu'il nous reste. Pourquoi? Car ce qu'il a donné, c'est dans le sentier d'Allah. Donc c'est ça qui reste pour demain. En vérité, ce qui reste vraiment. Vous voyez comment il pensait, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui reste, c'est ce que tu as donné en aumône. Et ce que tu as gardé pour toi, c'est ce que tu as perdu en vérité. Donc tu es là, tu as 100 euros dans la poche, tu dis j'ai donné 20 euros à quelqu'un, et il me reste 80, c'est faux. Il te reste 20 euros et tu n'as plus 80. Allahu Akbar. Si tu penses comme ça, après, il faut réformer le nefs. C'est encore un degré. Mais déjà, avoir cette notion-là en tête, savoir cela, l'enseigner aux gens, cette notion-là, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous récompense pour cela. C'est déjà beau. Après, il faut l'appliquer, il faut en avoir conscience. Ça nous poussera à faire plus de bonnes actions et à nous détacher un petit peu les biens matériels quand on a l'occasion d'en donner en se disant ce que je donne, en fait, c'est ce que je garde, c'est ce qui me reste. Donc, voilà, tu raisonnes différemment. Tout est à l'inverse. Comme je vous ai dit, l'exemple des 100 euros. Hein, j'ai donné tant et voilà. Après, je dis bien que c'est pas facile, ceci, cela. Comme on fait court, la foi monte, tout est clair. C'est comme si on voyait le paradis et l'enfer. C'est une image. Tout est clair. Là, on n'irait pas faire un seul mal. Puis dès que ça s'arrête, comme ça, dès que l'exhortation retombe, on repart comme ça dans notre vie avec les tentations, les péchés, les ceci, les cela, l'avarice et compagnie. Et yani, les compagnons sont pleins en pensant qu'ils étaient hypocrites. Ils disaient, Rasulullah, pourquoi on est comme ça? Il a dit, si vous restiez dans l'état que vous êtes de foi, et de, j'espère en tout cas que vous êtes captivés quand je fais cours, vous n'êtes pas là à bailler, à changer, je sais pas, peut-être on regarde la télé à côté, Allahu Akbar, j'espère que tout le monde est bien concentré autant que je le suis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous étiez comme ça à un niveau de foi, comme quand je vous prêche, les anges viendraient vous serrer la main. Mais non, plutôt la dunya, c'est aussi, vous êtes pris par le prêche, puis après vous retournez à vos choses, la foi monte, la foi descend, c'est ainsi, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on se rappelle beaucoup, et que, Inch'Allah, je vous dis que 4 cours la semaine, c'est pas trop. Et pas trop. Les sujets changent un petit peu. Et on va faire, Inch'Allah, d'autres livres si Allah me prête et vous prête vie. Si on a la volonté, la science et tout. On va faire d'autres livres. Car je me dis que se réunir comme ça 4 fois par semaine, c'est pas trop. Il faut qu'on se rappelle régulièrement. On en a besoin. Donc. Il a averti que les richesses et les enfants ne sont que la parole de ce monde, tandis que les bonnes œuvres et les bonnes paroles, donc dans la récompense demeure, voilà, à jamais, sont les meilleures choses que le serviteur puisse espérer. Et là, je vous ai fait le commentaire là-dessus. Allah a également dit, l'image de la vie d'ici-bas n'est qu'une eau que nous ont tombée du ciel et à laquelle se mélangent les plantes de la terre. De quoi nourrir hommes et troupeaux. Lorsqu'enfin la terre reprit son éclat, sa parure, et que ses habitants présument exercer sur elle un pouvoir, notre décret survient, de jour ou de nuit, et nous la transformons en chaume, comme si la veille, elle n'avait pas foisonné. Ainsi détaillons-nous nos signes pour ceux capables de penser. Surat Yunus, verset 24. Hein? Comme aussi dans les textes, c'est rapporté que l'homme qui se vantait d'avoir telle et telle terre a été bien fleuri, bien hein, chargé, et que tout a été balayé, tout perdu, tout en boue, il a tout perdu. Hein? Jamais croire acquis. Ne s'habituer à rien d'ailleurs, dans ce monde. Ne s'habituer à rien, d'accord? Ne pas s'habituer, ne pas s'attacher, car tout est éphémère. Et ne pas comme ça en plus s'enorgueillir et dire « moi j'ai ceci, moi j'ai cela ». Car comme il a rapporté, la personne lui avait dit, hein, dans les textes, « il se peut que mon Seigneur m'offre quelque chose de mieux que toi encore, et toi tu n'aies plus rien, tu perds tout hein ». C'est rapporté dans le Coran. Et bien ça, on le voit, il y a des gens comme ça très orgueux, « moi ceci, moi cela ». Même moi j'ai des histoires personnelles, mais que je n'ai pas forcément envie de compter à ce sujet.
des gens peut-être qui te disent, des fois ils te prennent un peu de haut, des gens te prennent un petit peu de haut, ils te disent, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça dans telle situation, et puis la personne vante un peu sa situation, quelques temps après, toi ta situation s'améliore, et lui elle se détériore. Voilà, c'est tout. D'autant plus, en plus quand c'est une personne mécréante qui te dit ça. Donc elle te prend de haut, en tant que musulman déjà, elle te méprise parce que t'es musulman. Ça, je le sais, de source sûre, il y avait un petit peu de ça. Il y a un petit peu d'islamophobie, un petit peu de haine du dîn, déjà, voilà, premièrement. Puis deuxièmement, un petit peu de mépris, un petit peu de mépris du fait que, voilà, il y a un... toi, t'as pas, voilà, t'es pas comme moi au statut, ceci, cela. Mais tu vois, quelques temps plus tard, cette personne-là, non seulement n'a toujours pas le dîn, déjà, donc elle a la plus grande des pauvretés, et j'ai la plus grande des richesses, mais ma situation même dounia s'améliore et la sienne se détériore. Donc, comme quoi, voilà. C'est moi qui fais. Comme, on va finir là-dessus, comme nous l'avons signalé précédemment, la richesse, la pauvreté, la maladie et la santé sont une tentation par laquelle Allah éprouve la patience et la reconnaissance de son serviteur. D'accord ? Soit tu es éprouvé par la patience, soit par la reconnaissance. Reconnaissance au niveau de ta santé, patience dans ta maladie. Reconnaissant dans ta richesse, patient dans ta pauvreté, etc. Allah donc éprouve la patience et la reconnaissance de son serviteur, et cela implique que la patience et la reconnaissance sont les deux seuls moyens de transport qui conduisent le serviteur à la station de la foi. Ces deux vertus sont nécessaires à tout croyant, obligatoires. Admettons que nous pouvons séparer la notion de la reconnaissance et celle de la patience, nous pouvons dire alors que chacune d'elles est meilleure que l'autre quand elle se trouve là où elle devrait l'être. D'accord ? Quand tu es riche, tu dois alors être reconnaissant. Quand tu es pauvre, tu dois alors te montrer patient. Mais dans tous les cas, le croyant se doit d'avoir en lui de la patience et de la reconnaissance, à sobre ou à shukr. Donc elle se trouve dans les situations qui exigent de la patience, c'est la patience qui est meilleure, et dans les situations qui exigent de la reconnaissance, c'est alors la reconnaissance qui est meilleure. Mais puisque la patience est le sens impliqué par le nom reconnaissance, que la reconnaissance fait partie du sens impliqué par le nom patience, et que la réalité de chacune d'elles se compose des deux, comme nous l'avons expliqué précédemment, il n'est alors pas possible de procéder à une comparaison entre elles, sauf si nous prenons chacune d'elles indépendamment de l'autre. Or, cette opération est une opération abstraite, imaginée par l'esprit seulement, sinon elle n'a pas d'existence hors de l'esprit, c'est-à-dire dans la réalité. En vérité, tout est mêlé de patience et de reconnaissance. C'est comme ça, ce n'est qu'un. Même si parfois un aspect pourrait prendre le dessus sur l'autre, en vérité ce n'est qu'un, il te faut de la reconnaissance. Pour te montrer reconnaissant, il faut te montrer patient, et inversement, il faut aussi avoir de la reconnaissance pour se montrer patient, et je me suis répété, je crois, Allahu a'lam, vous comprenez, hein? Le patient est reconnaissant est patient, tout ça c'est lié. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Je pense que, Inch'Allah. Un petit chapitre, le prochain n'est pas très long. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui ont des questions, levez la main. Inch'Allah, pour voir s'il y a beaucoup de questions ou pas. Je me suis avancé à parler du truc du voile, donc je n'aurais pas le faire en fin de cours. S'il y a des questions, levez la main maintenant, Inch'Allah, pour me faciliter, pour voir combien il y a de questions. Voir si je fais ou pas le chapitre 23. Et je crois qu'on va faire les questions, on va s'arrêter ici, c'est mieux, Inch'Allah. Alors, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Pour le livre, on continuera au chapitre 23 la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanallah, humma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Khalil. J'ai la parole, mon frère, Inch'Allah. Vas-y, frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaika assalam wa rahmatullah wa barakatuh, akhi. Par rapport au mariage à la mairie. Je n'étais pas là hier, j'en ai longuement parlé du mariage à la mairie. Inch'Allah essaye de rattraper le cours Aqidah Sahiha d'hier soir. Naam, si tu peux l'écouter. Naam, j'en ai parlé longuement de ce point-là de la mairie. J'ai fait aussi un autre dédié à la mairie. Donc tu sais ce que j'en pense déjà, ce qu'il en est surtout. Par rapport au mariage à la mairie, n'est-ce pas du shirk dans l'Olohia, puisque le maire marie au nom de la République. Il y a plein de choses étranges dans ce mariage à la mairie. Wallah, il y a tellement de choses qui disent ça sert à rien. Le shirk, il se trouve aussi dans le fait quand les femmes espèrent et pensent que c'est le mariage à la mairie qui les préserve et qu'on ne vienne pas me dire que j'en rajoute, que je mens, que c'est pas vrai. Il y en a plein qui ont cette croyance-là. Mais ça crève les yeux. Moi, je veux bien, qu'on me jette des cailloux, qu'on... Il n'y a pas de problème. Mais moi, je voudrais juste analyser les comportements et chacun se regarde dans une glace et ose dire que je mens. Combien de femmes se rattache au mariage à la mairie. Mes sœurs, soyez sincères. Combien disent
J'ai la protection, la mairie, ceci, cela, ça m'apporte ceci. Ça t'apporte quoi? Ça, c'est un chèque de pensée que ce bout de papier, déjà, il va te préserver. Mais ça fait tellement de fois que j'en parle. Je vous dis, j'ai fait un audio dédié, j'en ai parlé dans le cours. Moi, ce sujet-là, il me fatigue. Et pour moi, c'est clair. Mais ta question, elle est pertinente, hein, Khalil. Tu vois, au nom de la République, comme ça, et ton mari, il n'y a pas de doute que ça, c'est quelque chose de complètement étrange et complètement haram, tu vois. Alors, au nom de la République, vous êtes, voilà, non, bismillah, subhanallah. Nous, on se marie, on dit inalhamdulillah, enfin celui qui, en général, celui qui a le plus de science, il prononce la vocation, pour les moments importants, inalhamdulillah, inahmaduhu, anasta'inuhu, anastaghfiru, etc. Hein? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et nous, on est là au nom de la République. Eh oui, vous pouvez embrasser la mariée. Et c'est avec ça qu'ils se protègent, les sœurs. J'abandonne, je pars dans la forêt, j'abandonne. Je laisse tout. Arrêtez les bêtises. S'il y en a qui veulent faire ça. Ah oui, j'ai un désaveu, mais à 4 milliards de pourcents. Un désaveu total. Wallahi. Après, comme on a déjà clarifié, celui qui en a besoin pour un truc de papier, quelque chose. Par exemple, c'est quelqu'un qui, pour d'impôts ou j'en sais rien. Il y a une raison, il y a quelque chose. Il a besoin de fou, quelqu'un, sa carte. Il a besoin d'un papier, quoi. De toute façon, il n'a pas émigré ici. Déjà, normalement, la personne n'a pas à venir ici. Il faut rester dans son pays, musulman. Mais la personne est ici, j'en sais rien, la femme est toute seule à se marier avec lui, après ils ont pas envie de faire hijra, admettons. Puis il lui faut ces papiers-là en attendant pour préparer quelque chose, et que ça pourrait lui permettre d'avoir, voilà, pour quelque chose, pour avoir quelque chose. Pourquoi pas? Mais dans le simple but de faire la mairie, juste comme ça, bah si c'est juste comme ça, ne le fais pas, puisque ça ne vaut rien pour toi. Mais ça ne vaut pas rien pour les sœurs en général, et je le sais de source sûre, car elles disent, elles pensent même, elles le disent, elles s'en cachent pas, que ça va les préserver d'un divorce trop rapide, etc. Donc, elle pense que, oula le maire, oula la République, oula le papier, a le pouvoir de préserver leur mariage. Ça, c'est du shirk ekbar. Voilà. Inch'Allah, je t'ai répondu, mon frère Khalil, voilà, par rapport à la mairie. Et je te dis, si tu veux plus d'informations, je fais un audio complet. Et voilà, après. Il y a deux camps à ce sujet-là. Il y a les gens qui pensent comme moi, qui sont convaincus. Puis ceux, non. La mairie, c'est machallah. Bah, bismillah alors. Allahu a'lam. Nora, vas-y, Inch'Allah, pose ta question. La mairie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quelle heure environ correspond le dernier tiers de la nuit? Et comment la calculer par rapport à Salat al-Fajr? Barakallah fika. Ouais, jazakallahu khair. Non, bonne question. Il n'y a aucune question sur le cours. Hein. C'est si clair que ça ou c'est comment? Personne ne... Non, c'est limpide, c'est clair. Alhamdoulilah. Pour moitié de la nuit, dernier tiers de la nuit, il faut calculer la nuit, tout d'abord. Avant de parler de tiers, de moitié, de... C'est comme un camembert, on coupe. Donc, il faut déjà calculer la nuit. La nuit en islam, Inch'Allah, si tu veux noter, ma soeur et les autres aussi, la nuit en islam équivaut... Non, oui, là, il a, j'ai vu d'lever la main, t'auras la parole après, Inch'Allah. Tu peux relever ta main, il n'y a pas de problème. Elle a baissé la main directement. Tu calcules la nuit en partant du Maghreb jusqu'au Fajr. Admettons, j'ai bien dit, admettons que le Maghreb rentre à 20h, ou allez, à 21h. 21h, c'est l'heure d'El Maghreb. Et le Fajr, admettons encore une fois, admettons, c'est 5h. Du matin. 5h du matin, comme c'est à peu près actuellement cela. On va voir, 20h45, je crois, chez moi pour le Maghreb, et 5h14 pour, bon, à quelque chose près. 21h et 5h, c'est la durée de la nuit. Tout ça, c'est la nuit. La nuit dure combien de temps? De 21 à minuit, on a 3h. Hein? Je le répète encore une fois, il n'y a pas de nuit à minuit en islam. En islam. Ça, c'est chez les koufars. Il dit c'est la nuit. La nuit, le lendemain, il commence qu'à partir de le lendemain. Le lendemain, la nuit, commence le Maghreb. Naam. Voilà pourquoi on commence les tarawih. On dit que Ramadan a commencé quand on est au El Maghreb, le premier jour. Vous vous souvenez? On commence là parce que on est déjà le lendemain. À partir du moment où il est Maghreb, ça y est, ça équivaut au minuit des koufars, si vous voulez. Quand il est minuit, tu vois le calendrier, il change. Là, on est le 16/04/2017, je vois sur l'ordinateur. Bon, bah, quand il sera minuit, Inch'Allah, ça va mettre 17/04/2017, Inch'Allah. Femt, c'est vrai ou pas? Ça, oulala, c'est ça. Ben, nous,
C'est déjà le Maghreb, ça change. Donc, pour rester sur les horaires à eux pour qu'on comprenne bien, de 21h à minuit, on a déjà 3h. Puis de minuit à 5, on a 5h. Ça fait combien en tout? 8. 8, c'est la durée de notre nuit. C'est la durée de notre nuit. Pour calculer la moitié de la nuit, 8 divisé en 2, ça fait 4. Puis on rajoute 4 heures au début d'entrée de la nuit, à savoir le Maghreb. Donc, le Maghreb, 21h plus 4 heures, on a 1h du matin. Ça, c'est la moitié de la nuit, très facilement. Puisque c'est la moitié, tout simplement. Donc, cette moitié de la nuit, c'est l'heure fatidique pour faire l'Aïcha. Maximum, le deadline, c'est 1h du matin. Mais minuit 50, un petit peu avant, c'est mieux. Pour faire l'Aïcha, Naam. Après, c'est plus l'Aïcha. Le temps de l'Aïcha va être, par exemple, de 22h40 jusqu'à 1h du matin. Ça, c'est tout le temps de l'Aïcha. À 1h15, c'est plus l'Aïcha. OK ? Et le dernier tiers de la nuit, ma sœur, tu coupes en 3 ta nuit. Donc, tu coupes en 3. Donc là, avec le 8h, ça va faire quelque chose d'un peu... Voilà. 8 divisé par 3. 2,5, on est à 7,5. Donc, c'est pas 2h30, 2h3/4, quelque chose comme ça. 2h45, à peu près, environ, c'est ça ? 3 fois 2, 6. 3 fois 45 minutes. J'étais très mauvais en maths, j'étais plus en bon en français. 3 fois 45 minutes, 1h30. Ouais, quelque chose comme ça, on est à 8h15. Bon, avec un poil près, hein, c'est ça ? Bon, 2h45, équivaut à un tiers de la nuit, hein ? Tu le rajoutes tout simplement à la fin de ta nuit, puis tu vas dans le sens inverse pour avoir ton dernier tiers. Donc si la nuit se termine avec l'aube et non pas avec le lever du jour, la nuit se termine à l'aube, c'est pour ça qu'on prend le sourour dans Ramadan, un peu avant l'aube, el fajr. À partir d'el fajr, c'est la fin de la nuit, l'aube arrive, même s'il fait encore nuit. Oui, on n'attend pas le lever du jour pour dire que c'est l'aram, non. Nous, la fin de la nuit, c'est au fajr. C'est fini, c'est à cette heure-là qu'on doit faire le fajr, c'est à cette heure-là qu'on arrête de manger. Naam. Et des gens, jusqu'à aujourd'hui, pensent qu'ils doivent manger jusqu'au lever du soleil. Non, jusqu'à l'aube, jusqu'au fil blanc. Donc, ces 2h45-là, soustraits à 5h, bien le dernier tiers de la nuit, 5h, 3h, 3h moins 45 minutes, 2h15. Si j'ai bien calculé, de 2h15, à peu près, 2h15, 2h30, admettons, allez, 2h30 jusqu'à 5h, c'est le dernier tiers de la nuit. Donc là, quand tu fais dhikr, quand tu fais les doha de 2h30 à 5h, c'est le meilleur moment, c'est le dernier tiers de la nuit. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah ? Et s'il y a d'autres calculs à faire, c'est la même chose. Si la nuit fait 13h, pareil. Si la nuit est très courte, comme quand on a le maghreb à 22h, et qu'après, à 3h du matin, on a déjà le fajr, donc on a quelque chose de 5h. Ah, 5h. Donc la moitié de la nuit, c'est 2h30. 2h30 rajoute à 22h, et bien à minuit et demi, khlas, c'est fini. C'est fini. Le Aïcha, c'est pour ça qu'on le fait à minuit et demi, il sort déjà. C'est très très court dans ces périodes-là. Tout le monde connaît ça durant Ramadan. C'est la course. C'est ça, on mange, ftour, tac tac tac. Après les femmes, un petit peu de vaisselle, tac tac. Après, l'Aïcha, et hop, c'est parti. Après, on se reprépare. Le souhour, c'est le marathon. Souhour à peu près vers 2h30 du matin. 3h, on se prépare. El Fajr, et après, on va dormir. En général, personne, je connais personne qui va dormir dans cette période-là, c'est de la folie. Moi, si je m'endors après un ftor, je me réveille 11h30 du matin. Trop dangereux, trop risqué. Je vous donne en tout cas, moi, ma façon de faire. Après, je critique personne, hein. Mais moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Donc, dans ces moments-là, tu comprendras bien que, Yarni, voilà, ta moitié de la nuit, elle est là. Alors, ton tiers, si c'est 5h ta nuit de 22h à 3h du matin, admettons, c'est quelque chose comme 1h, pareil, 1h30, 1h45, quelque chose comme ça. 3 fois, ouais, 1h45 à peu près. 1h45 de 3h du matin, en reculant. En reculant, tu auras donc quelque chose. Ton dernier tiers de la nuit, c'est à peu près vers 1h30 du matin. 1h30 du matin, 1h15 du matin, jusqu'aux 3h du matin. Jusqu'au fajr. Est-ce que c'est clair ? Lève la main, Inch'Allah, s'il n'aura, c'est clair pour toi. Est-ce que c'est bien clair ? Aussi bien pour que c'est clair, alhamdoulillah, pour calculer ta moitié de la nuit et ton tiers. Tu fais à chaque fois cela en espérant que ce soit utile. Tu calcules comme ça à chaque fois différentes choses. Alhamdoulillah. Barakallahu. Naam Leila, wallahu a'lam. Naam Leila, vas-y, la question.
Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le livre, lorsqu'il est dit que la patience et la reconnaissance sont indivisibles, comment être reconnaissant lorsqu'on est pauvre? Et reconnaissant lorsque tu es pauvre de tout ce que tu as, de tout ce que tu as, ton islam, ta vue, ton oui, c'est pas que tes biens matériels, t'es pauvre, mais il y a des milliers et des milliers des choses qui te sortent de l'esprit, de raison d'être reconnaissant. Peut-être t'as une famille, t'as la santé déjà. Donc il y a des tas de raisons d'être reconnaissant quand on doit se montrer patient. Et de même, des tas de raisons aussi de se montrer patient quand on devrait être reconnaissant. C'est lié, c'est indivisible en vérité. C'est vrai, c'est clair que le reconnaissance doit se montrer patient et le patient doit aussi se montrer reconnaissant. D'ailleurs, il est rapporté dans les textes. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, je pense, beaucoup. Avant de demander des choses à Allah que tu n'as pas, remercie-le déjà pour ce que tu as, là, maintenant. Il y a plein de choses pour lesquelles tu ne remercies pas Allah, mais que si Allah te les ôtait, tu serais complètement dépité, mais tu demandes déjà autre chose. C'est déjà la peine, et ceci, cela, je n'ai pas assez. Parce que c'est la course. On se contente de rien. Voilà. Il nous faut toujours plus, ceci, cela. Allah sait, nous a créé comme ça, on est faible. Mais pour le coup, on se montre pas reconnaissant de ce qu'on a, et on ose demander comme ça, nous sommes l'être humain est ingrat et gourmand, et c'est comme ça qu'Allah nous réforme. Naam, Allahu a'lam. Hawa, vas-y, Inch'Allah. Oh, c'était rapide. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai un chat qui est très malade. Allah le préserve. Les vétérinaires ont dit qu'il y a de grandes chances qu'il ne survive pas à sa maladie. Le mieux est de l'euthanasier pour éviter de souffrir. Est-il permis de faire cela ou non? Il faut patienter, le laisser mourir même s'il souffre. Barakallahu fik, Allahu a'lam, je ne sais pas. Je ne sers pas concernant cela, j'ai pas assez de science sur cette affaire-là. Tu vois, de ce qu'on connaît déjà pour les êtres humains, tu vois. Il est dit qu'une personne, tu la laisses. L'euthanasie est interdite, donc j'aurais pu faire le parallèle par rapport à l'animal, tu vois. Je ne sais pas ce que les savants sont prononcés sur cette affaire de l'animal, mais je vais tout de suite demander, tu vois, je vais à mon chéri immédiatement, tu vois, comme tu peux voir. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah, alhamdulillah. J'ai une question pour laquelle j'ai la réponse, Inch'Allah, pour l'homme, mais pour l'animal, j'ai un doute. Bah, en fait, j'ai pas lu de choses à ce sujet, donc j'évite de me prononcer. Concernant un chat très malade, dont les vétérinaires disent qu'il y a de grandes chances qu'il ne survive pas à sa maladie, et que le mieux serait de l'euthanasier pour lui éviter de souffrir. Est-il permis de faire cela, ou il faut alors patienter et le laisser mourir, même s'il souffre beaucoup? Barakallahu fika, Allahu a'lam. Voilà, ma soeur, comme tu peux voir, moi, je ne vais pas me prononcer, je te donnerai, Inch'Allah, la réponse à cela. Je sais que l'homme, c'est quand il est dans un, par exemple, ça peut vous être utile, on ne sait jamais, Inch'Allah. Ce que je sais, ce qu'on dit les savants, c'est que si un homme il est dans un coma artificiel, maintenu avec des machines, qu'il le laisse encore respirer, mais que son cerveau est déconnecté, que si on débranche la machine, l'homme ou la femme meurt. Dans ce cas-là, on débranche, car il n'est pas, c'est artificiel, il est assisté, mais tout seul, il ne vit pas. Par contre, quelqu'un qui souffre, j'ai jamais entendu que c'était permis l'euthanasie par rapport à cela. Il est dans ses souffrances, les affres de la mort sont l'expiation de péché par rapport à l'animal. Je dis, moi, je ne vais pas dire, oui, c'est comme si, c'est comme ça. Je réponds si je suis sûr. Je suis sûr par rapport à l'homme, il reste jusqu'à sa fin, même s'il souffre. Après, il peut avoir des antalgiques, des choses comme ça, pour l'aider à l'accompagner. C'est trop douloureux, mais l'euthanasie n'est pas permis. Par contre, c'est le débranchement, tout simplement, parce qu'en fait, le fait qu'il soit branché, il n'y a rien de naturel. Si tu débranches, il n'y a plus rien. C'est maintenu, vous savez, connexion comme ça cérébrale, il n'y a plus rien, il n'y a plus le cerveau, c'est juste le cœur, il bat parce qu'il y a de l'air comme ça qu'ils mettent artificiellement. C'est pas vraiment l'homme. Donc là, tu débranches, c'est fini déjà, en fait. C'est fini depuis un moment. C'est juste de la poudre aux yeux. Enfin, concernant le chat, Harlem, je sais pas si on laisse souffrir ou si c'est permis par rapport à un tel animal. J'aurai Inch'Allah la réponse bientôt et je te le dirai. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Allahu a'lam. Que l'on apaise la douleur de cet animal. Parce que les musulmans doivent être miséricordieux même envers les animaux. Non, c'est bon, Inch'Allah. Bon, bah, mercredi alors, Inch'Allah. On continuera la Aqida. Mercredi, Inch'Allah, 19 avril. نعم بارك الله فيكم والله أعلم وأحكم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.